de situation dans une affaire qui a fait couler beaucoup d'encre depuis samedi. La mère de la petite fille de 10 ans poignardée samedi dernier à Ramonville est désormais soupçonnée. Retrouvée un couteau planté dans l'abdomen, la fillette a perdu beaucoup de sang, mais aucun organe vital n'a été touché. Elle a été aussitôt évacuée sur l'hôpital pour enfants de Vertuis-Chemonzel. Sa mère affirmait qu'elle s'était blessée par accident. Les gendarmes de Ramonville en charge de l'enquête ont entendu la fillette dès que possible. Le chirurgien de l'hôpital a examiné aurait affirmé qu'une enfant de 10 ans ne pouvait pas avoir reçu un tel coup accidentellement. D'autres traces de coups ont été repérées sur le corps de la fillette. Ce nouveau fait divers relance le dossier de la violence parentale faite sur les enfants. Il y a chemin.